63 Prime 15! Et oui, c'est le Prime 15! Le Prime de la demi-finale! Alors, Benoît est en finale, mais qui va le rejoindre entre Clara, Claudia, Mia, Quentin et Ophélie? Donc voilà, ce soir, on va lire vos commentaires laissés, vous le public, vous le public! Les habitants, les anciens, ils vont partir. Et donc voilà, et vous découvrirez les 4 finalistes. Putain, alors Rochelle, elle tombe. Donc ce soir, c'est la demi-finale. Et oui, donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Je crois que ça le mériterait. Bonjour! Alors, comment vous vous sentez, Benoît, d'être en demi-finale ce soir? Je suis très content d'être en demi-finale. De toute façon, moi, je vais en finale, j'ai gagné ma place en finale. Oui. Donc, vous êtes tous très beaux ce soir, hein. Merci. Vous, Mia? Aïe. Je suis très heureuse d'être en demi-finale, voilà, je suis hyper excitée. J'ai pas montré beaucoup de choses, je suis là que depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, mon secret a été découvert et je peux enfin être moi-même. Les semaines d'avant, j'étais pas moi-même du coup, donc voilà. Mais j'espère que le public, j'ai montré assez de choses. Vous, Claudia. Alors, salut mon public. Salut, alors à la saison 1, j'étais arrivée, j'avais fait que 5 semaines de jeu, aïe. Donc là, je viens de faire 14 semaines de jeu, je suis à la demi-finale. Donc même si je pars ce soir, merci le public et continuez de voter pour moi, merci beaucoup. Maintenant, à vous, Clara. Alors moi, je dis merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Franchement, c'est énorme et franchement, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Et enfin, vous, Ophélie. Alors, vous voyez, ici, on a une vitre. Alors, merci beaucoup tous ceux qui ont voté pour moi. Ce soir, j'ai pris une robe et une coiffure spéciale pour la demi-finale. Donc, voilà. Okay. Voilà, ils votaient pour moi. Et voilà, je suis hyper contente. Et Quentin, moi, j'ai été discret pendant l'aventure à la saison 4. J'ai gagné et j'ai pas été discret. Mais il faut changer de personnalité. J'ai changé de personnalité. J'ai montré une autre personnalité, j'espère. Et elle a plu au public, apparemment. Ouais. Et maintenant, nous avons nos 1, 2, 3 et 4 anciens. Car Shine et Moudou n'ont pas voulu venir. Ils sont partis. Ouais. Donc, je vais vous laisser. Donc, les anciens vont partir. Et je vais faire une annonce. Alors oui. Vous deux, poussez-vous. Voyez ça? Et ce truc-là, c'est notre tablette. C'est notre tablette, ce truc. Ce truc-là, bizarre. Merde, Enfin bref, c'est assez bizarre ce truc. Donc ce soir, alors les anciens, vous pouvez partir. Au revoir. Bien, les anciens viennent donc de partir. Alors d'abord, faites-leur un tonnerre d'applaudissements. Et maintenant la musique. Arrêtez la musique parce que vous allez vous asseoir et on l'écoutera après, on l'écoutera dans l'After Secret vu que ce sera la demi-finale. Oh, pourquoi on peut pas l'écouter maintenant? Elle est trop bien cette musique. Parce que
On veut pas. Donc les habitants, alors bonjour, alors vous, du coup vous pouvez vous mettre là. Ce truc là, on va l'enlever parce que sinon on nous voit. C'est très stressant ce truc. Donc du coup, eh ben bonjour à tous et vous allez voir les commentaires du public. Haha. Et après vous verrez les quatre finalistes. Haha. Bon allez, c'est parti. Salut tout le monde, donc c'est pour Playmo Compète. Je fais la petite vidéo des avis. Donc, je vais commencer. Donc, alors, pour commencer, je vais... Oh merde, je vais tomber la table. Oh bah, ramasse-la alors. Donc, alors, pour commencer, en sixième position, je vais mettre Quentin. Parce que pour moi, Quentin, tu sers à rien. Prends-tu bien? Bah, pour, je sais pas, je vais bien comme ça. D'accord, donc... Pour moi, je mets en 6ème Quentin, parce que pour moi, il sert à rien. Il a rien foutu de toute la compétition. Donc, personnellement, moi, je mettrai 6ème. Et je l'aime pas, Quentin. Quentin, je t'aime pas. Tu sers à rien. Tu vas être comme Simon, la plante verte. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, tu t'es un petit peu réveillé. Je sais pas si c'est toi qui es en couple avec Mia ou pas. Je sais pas. Toi, tu sais? Bah oui. Parce que moi, je travaille chez SSP63. Ouais, donc donc là on est dans un appartement et vu qu'on vit tous les deux, donc voilà. Donc ensuite en cinquième, Claudia. Claudia, je t'aime pas, t'as fait virer Angélique, parce qu'Angélique c'était la meilleure candidate. Et depuis que t'as fait virer Angélique, je te déteste. Je t'aime pas. Je te déteste, Claudia, parce que les candidats t'ont fait re-rentrer. Enfin, les téléspectateurs t'ont fait re-rentrer parce que la production était partie en vacances. Et si on avait voté pour Angélique, elle serait restée. Et oui. Toi, t'as un fan club un petit peu. Donc, du coup, ça a tout gaffé. Ouais. T'es conne, mais je t'aime pas. Donc, ensuite, quatrième, Ophélie. Donc, Ophélie, pourquoi je t'ai mis quatrième? Parce que pour moi, tu te renfermes tout le temps avec Gaston. C'est toujours Gaston. Depuis que Gaston est parti, tu t'es un peu réveillé, hein. Il était temps de te mettre une douille dans les fesses. Donc, voilà. Ensuite, Mia, troisième, parce que pour moi, Mia, tu es une fille plutôt sympathique. Ben, en même temps, tu as le même prénom que moi. Donc, c'est normal. Personnellement, moi, ça me dérange pas que tu aies le même prénom que moi. Mais bon, ça me dérange pas, surtout que tu es... Moi, je suis plus jeune que toi, donc c'est plutôt moi qui t'ai copié dessus. Même si je te connaissais pas auparavant. Non, mais je t'aime bien, Mia, t'es cool. T'es une fille plutôt détendue avec tes lunettes de soleil et tout. Tu es une fille très très jolie, ça je tiens à te le dire. Tu es déplacée 10ème. Pour moi, tu méritais d'être pas première quand même, parce que Natacha est quand même la plus belle. Donc, Clara en 2ème. Clara, tu es une demi-chouchoute dans l'aventure. Tu es une fille très très jolie. Mais le problème, c'est que j'aurais préféré te voir en couple avec Benoît pendant toute la compétition. Mais on a vu que à la fin. Il fallait te réveiller, Clara. Réveille-toi. Et en dernier, enfin en premier plutôt, Benoît. Pour moi, Benoît, c'est le meilleur joueur de cette compétition. Donc voilà. Et il ressemble beaucoup à lui aussi. Il ressemble beaucoup à lui. Moi, j'ai un prénom, je l'appelle Nolan déjà. Pardon. Bisous. Donc voilà. Donc Benoît, je t'adore. Merci. Et donc voilà. Donc si vous voulez que je répète le top en 6ème Quentin, 5ème Claudia, 4ème Ophélie, 3ème Mia, 2ème Clara, ou 3ème, et 3ème, et le premier Benoît. Bisous. Salut. Moi je vais aller ranger la table là. Et mettre un terrain. Alors. Et maintenant, un autre avis. Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais faire mes avis sur SSP63. Alors donc, je vais dire tout de suite mes avis. À la fin, je vous dirai un petit top. Mon top 6 des candidats, des demi-finalistes. Des... Ok. Bon, bah ok. Ouais. Moi, je suis pas passée pour la deuxième. Ouais, bon, c'est pas ici la voix. Rendez-vous maintenant dans le sas. Vous avez pas écouté la musique du générique sur le plateau, j'espère, hein? Bah si, pourquoi? Rachel, je te déteste! Et ce sera lors de l'after qu'on découvrira? Oui, mais si on n'est pas éliminé?
Mais vous inquiétez pas, vous aurez le direct. Yes. On découvrira la musique du générique. Ici, là, par contre, quels sont vos secrets? Moi, mon secret, ben, c'est que je suis le fils de Georges. Ah ben, moi, vous le connaissez. Moi aussi. Moi aussi. Ah non, moi, c'est que j'ai été... moi, c'est que je suis le complice de la voix. Le complice de la voix. Moi, c'est que je suis championne de skate. Et moi, j'ai rétréci de 30 cm en 3 mois. Waouh, quel beau secret. C'est vrai, hein, je suis réelle. Donc allez, maman, rendez-vous dans le sas, sauf Benoît qui a gagné sa place en finale. Et par ordre alphabétique, hein, si possible. Hein, sans vous mélanger, si possible. Mama of you, I will cut a key, cover of you. Alors, bonjour à tous. Oh mince, alors. Clara, vous avez 80 000 euros, vous êtes la plus stratège. Oui. Ce soir, si vous quittez l'aventure, vous les gagnerez quand même. Mais également, le public vous reproche d'avoir été en couple avec Benoît beaucoup trop tard. Est-ce que cela vous le paierez ou pas? Je ne sais pas. Vous, Claudia, une grande gueule, ça, on peut le dire. Ouais. Qui a fait beaucoup d'aventures, vous vous y attendez pas? Non. Et ce soir, vous êtes fiers d'être ici, mais est-ce que votre parcours s'arrêtera ou ne s'arrêtera pas? Vous avez vu qu'à cause de vous et d'Angélique, et ben, la résidence Playmobil ne vous aimait plus? Non. Mais vous avez quand même des fans, donc peut-être que vous allez revenir, peut-être que vous allez partir. J'en sais rien. Mia, la petite Mia, la faux-folle, ouais! Qui s'est montrée assez discrète cette aventure. Pour cette deuxième fois de participation, au moins. Pour protéger votre secret, donc voilà. Vous vous êtes rattrapé avec la Mia Fêtard, mais est-ce que ça, vous le paierez ou pas? Je sais pas. Quentin, qui s'est montré discret cette aventure. Tout le monde dit que vous êtes une plante verte. Est-ce que vous allez le payer ou pas? Non, je vais aller en finale, je vais gagner. Et vous, Félie, vous êtes très belle ce soir. Merci. Est-ce que vous allez rester? Est-ce que vous allez partir? J'espère que je vais rester. La première personne qui part a eu 6,9%. 22,4%. 24,1%. 20,7. 25,9. La personne qui revient en premier, c'est une fille qui est châtain. Cette fille a les cheveux détachés. Et c'est Clara qui revient. Merci le public. La deuxième personne qui revient est une grande ou un grand est une grande amie de l'autre. La personne qui quitte l'aventure cette fois, par contre, c'est le groupe qui est ami avec Quentin ou qui est ami avec Mia. Ouais! Et Quentin, tu quittes l'aventure avec le moins de votes. Ok, ben c'est pas grave. La personne qui revient maintenant, c'est une fille qui est belle ce soir. Et cette fille est châtain toujours. Et c'est Ophélie. Merci. La personne qui quitte l'aventure entre vous deux, Mia, Claudia, Claudia, Mia. La personne qui revient ou qui quitte l'aventure ce soir, c'est... Ce soir, la personne qui quitte l'aventure, c'est... Claudia, désolée, vous quittez l'aventure avec Quentin.